Faire un tour des attentes des gens, des idées, des initiatives pour que par la suite on puisse se répartir sur des cercles de discussion, des débats, des ateliers pour pouvoir aborder des thématiques plus précises autour de la loi du travail. Esclaves, on consent à être esclaves. Et je crois qu'une des premières démarches, c'est de retrouver en nous une espèce de puissance et de faire que non, dire non, enfin, une espèce de souveraineté individuelle et collective. Voilà. Et du coup, ouais, je pense que ça passe vraiment par le collectif. Les paysans avaient le droit d'aller chercher du bois pour faire du feu, d'aller cueillir des champignons, d'aller ramasser tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Donc ils avaient une forme d'autonomie. Et ils étaient rassemblés dans des communautés de villages, ils vivaient ensemble. Et en fait, à cette époque-là, il y a eu ce qu'ils appellent les enclosures, c'est-à-dire qu'ils ont clôturé les propriétés des seigneurs, avec du coup l'interdiction d'accéder pour les paysans. Ce qui les a privés d'une bonne partie de leurs ressources, et ça les a privés de leur autonomie au niveau alimentaire, en partie. Et en même temps, à la même période, il y a eu l'Inquisition avec la chasse aux sorcières et du coup toute une perte au niveau du savoir, des connaissances collectives, des traditions collectives. Et ça a été ça, les deux choses réunies à peu près à la même période, qui correspond en même temps à l'arrivée du capitalisme, à une forme un peu primitive, on va dire, de capitalisme. C'est tout ça réuni qui a fait que on a été obligé de lutter pour notre petite survie, quoi. On n'avait plus de vie collective et on a été obligé de grappiller le peu qu'on avait. Ça bouffe tellement d'énergie qu'après... Lorsque le gouvernement viole les libertés, c'est ce qui se passe avec l'état d'urgence, et ça se fait les doigts dans le nez, personne ne réagit. Le devoir du peuple est le devoir le plus impérieux, et la révolution, et dans les précédentes constitutions, c'était marqué, y compris par les armes. Thank you.